pourrait se perdre ici. C'est le fameux cimetière des trains. Une véritable mine de pièces de ferraille. On devrait pouvoir rejoindre le secteur 7 en traversant le grand hangar. Là-bas, mieux vaut passer par les endroits où il y a de la lumière. De la lumière. Oui. Là-bas. Les gens évitent cet endroit. Il y a non seulement des créatures dangereuses, mais aussi des rumeurs étranges. De quel genre? Il paraît qu'il y aurait des fantômes par ici. Et les gens qui s'égarent dans le cimetière des trains la nuit ne peuvent plus jamais ressortir. Oh. Oh. Des fantômes? Non, mais je pense que c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Mais bon... Traînons pas ici. Ni l'endroit ni l'heure pour les enfants. Mais alors... Pas le droit à l'erreur.
Traverse ce hangar. Ce serait pas hanté. Allons voir. Ne t'inquiète pas. Nous avons un super garde du corps. Ça va aller. Hein ? Les fantômes, c'est pas mon truc. Oh. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. On compte sur toi. D'accord, ça va. Arrêtez de me coller. On t'a trouvé.
veux juste te parler, d'accord? Qu'il est dangereux. Oui, mais quand même. C'est quoi ce bruit? Ça va? C'était moins une. On a eu chaud. On va être obligé de faire un petit détour. La grue est en haut. J'ai trouvé. Ah!
a une autre porte qui mène à cette salle. De l'autre côté. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse tout le tour. Thank you.
coup de froid. Les autres n'ont pas dû le retrouver. Le pauvre, il devait se sentir seul. Hein ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Retournons activer cette grue.
vraiment de faire de mon mieux. Dépêchons-nous de sortir. Encore ? Oh, tu la connais ? Marlène. En plus, les enfants qui sont emportés par le vent noir, ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est très très dangereux là-bas, alors il faut surtout pas s'approcher. J'essaierai. Et tu sais, hier matin, on a joué avec Betty. Ben son papa, il... Papa, il est en retard. C'est vrai ça. Peut-être qu'il ne pourra pas rentrer ce soir. Marlène, écoute-moi. Faut se dépêcher de rentrer au septième ciel. Tifa, ça va ? Bon ben, allons-y. Plateforme tourne. Ça devrait nous permettre de traverser. Je dois gagner à tout prix. C'était couru d'avance. La voie est encore bloquée. Moi qui croyais qu'on allait enfin sortir. Dites, on pourrait pas faire bouger cette locomotive ? Je vais regarder ça. Bien vu, Aerys. Elle a l'air en bon état. Tant mieux.
Ça va aller? Ouais. Tiens. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le code de séparation d'urgence du plateau. C'est pas comme là. Ah, c'est bon! Elle est prête à retomber quand vous voulez! Par contre... Doucement quand même! Si tu les butes maintenant, le plan tombe à l'eau! Où est-ce que vous en êtes? Vous avez un problème? Non, au contraire! Les rats sont prêts à se sacrifier pour protéger le pilier! Ils prennent pour des rats à vous. Je vous envoie des rats. C'est pas plus impressionnant avec un pilier. Figure. N'oubliez pas votre rapport de fin de mission. Tifa. C'était pas du bluff. T'inquiète pas pour eux. Barrett et les autres savent se défendre. On arrive au secteur 7. Allez! T'as raison. Croisons les doigts. J'ai vu pire que ça.
Allons-y. Ouais. Emportés par le vent noir, et ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est toi? Tu m'as protégé, non? C'est bon, je peux y aller? Ouais, ça y est, tu peux venir! Ouais, c'est bon! Je t'ai trouvé! T'as fait vite! Je t'ai trouvé! Oh non, t'es trop fort, toi! Hé, elle est où, Iris? Tu peux venir! Je suis prête. Tu peux venir. Viens me chercher. Bon, tant pis. Allons-y.
Bien joué.
vieux garçon. C'est beau. Au revoir. Jamais!